gouvernement de la République pour respecter la tradition du professeur Adam Adéla Sadamo. C'est le titre du prophète Zakir Fatima Zikra Kalpalomé. Mohamed Sadamo Adéla Sadamo rappelle car le rappel est profitable pour les musulmans. Quelque part, on nous dit Fatima Fatima Zikra. C'est dans le rappel. C'est une maladie, quand vous avez ça, vous avez ça.
sont la salle. Mais comment on va faire pour ne pas connaître ça? C'est ça la théologie. Ah, c'est pour cela que nous sommes mis ensemble pour dire qu'on va alerter. Parce que c'est nos parents. Sous peu, l'industrie du sucre va s'ouvrir. À qui? Aux musulmans. Parce que le mois du Ramadan. Je vous assure, le 25e jour du mois du Ramadan, il n'y a plus de sucre. Mais c'est des tonnes et des tonnes et des tonnes de sucre. Qui en consomme? C'est qui? La bouillie, c'est sucré, le diamant, le tomélie, tout est sucré. Tout est sucré. Tout est sucré. On va rester dans cette permanence-là, dans ce quotidien-là, en consommer encore et encore et encore et encore. Et pour sortir du monde de Ramadan, on commence par avoir des problèmes de santé. Tout de suite, on ne va pas savoir de quoi on souffre. Pourquoi c'est une tuyère silencieuse de le comprendre? Nous-mêmes là, on n'a pas la culture de l'hôpital. C'est le conseil, c'est de nous-mêmes aller à l'hôpital pour cela. Soit on commence par prendre des médicaments de catalyse, une fois, deux fois, trois fois, voire quatre fois même, et on va à la fin penser que quand j'ai trop pris les médicaments de diabète et de Paris, ça la vie c'est pas de. Je pense que j'ai éliminé le catalyse. Je pense que c'est une. On va se mettre encore à traiter de la typhoïde. On traite la typhoïde. On n'a pas fini. Mais non, le paradisme de traitement, on va le voir, c'est 3 jours. 72 heures. Un matin, un le soir, pendant 3 jours, vous allez faire la convalescence avec le vitamine C, c'est fini. Mais attends, ça doit t'arrêter, ça doit vous arrêter. Quelque chose qui ne continue pas. Pourquoi tu pouvais sortir? Mobiliser. On va dire en ce moment-là, Panas n'a pas de plus sorti. Si on le regarde comme ça, ce n'est pas bon. Allons à l'hôpital. Tu as pris assez de médicaments du palais. Tu as commencé par briser d'abord ton foie. Parce qu'il y a un problème. Quand le diabète est là et vous ne savez pas, comme disait Thierry Silencieux, vous devez avoir tout. Toutes les maladies vont être rondues. Tout. Ça peut vous donner une insuffisance rénale, ça peut vous donner un problème de foie, ça peut vous donner tout, tout, tout. Et on est assis, on ne sait pas. Nous sommes là. Je ne veux pas, dans le Coran, on va donner un chèque pour la dire. On a écrit la salade d'Insan et Asanita. Nous avons parfait la création de l'homme, c'est le droit de l'homme. Vous allez comprendre comment l'homme a été parfaitement créé et conçu. On dit, c'est une maladie qui peut faire 10 ans. 10 ans à pas mourir. Ça y est dans toi, 10 ans sans bruit, sans même se manifester. Sans même vous alerter, mais de vous à moi, est-ce que c'est normal pendant 10 ans qu'on soupire? Parce que si vous n'avez pas oublié la télé, ça va se dire que pendant 10 ans il est caché. C'est cela que nous n'avons pas l'habitude de l'hôpital. Et ça, ce n'est pas bon. Le musulman ne va pas rester comme cela, et toute maladie de ce genre va venir. Nous fouchez, cachez pour que l'on puisse. Ça, on doit dire non. Non et non. On n'a pas de contrôle. Et vous dites, ceux-mêmes qui sont inscrits aux assurances, c'est fini, on s'en fout. Non. La santé est un capital humain.
bébé. La santé qui permet la mosquée, le voyage, les hâtes, les missions, les projets qu'on a, les mariages, les baptêmes et tout ça. Si on n'a pas préservé cette santé-là, il y a un souci. Et retenez, frères et sœurs, que l'âge naturellement est un facteur de risque. L'âge est un facteur de risque. Ce que vous pouvez faire à 25 ans, à 50 ans, bien évidemment, ce n'est pas possible de faire des choses qu'on pouvait faire il y a 25 ans. Mais malgré tout ça, il est bon qu'on se prenne, bon, quand il dit sérieux, c'est par rapport à la santé. L'organisme a besoin, par exemple, de 120 minutes par semaine pour vivre en paix d'activité physique. Ça même, ce n'est pas respecté. On nous dit, un membre qui ne peut pas s'approfier. Quand tu es beaucoup sédentaire, ce n'est pas bon. Comme je dis, je voudrais cette séance-là, une séance de posée. On va, il y a beaucoup de choses à dire. On va libérer le micro. Et puis, la réaction aussi des uns des autres, jusqu'à peut-être à midi 18 heures. Mais je termine. Voici ce que le prophète a donné comme enseignement. En réalité, c'est ça la base de nos problèmes. Nous sommes un peu, nous ne mangeons que lorsqu'on a faim. Et si on a eu à se restaurer au moment où on a faim, on fait attention. On ne fait pas le trop plein. Parce que le trop plein nuit. C'est les enseignements qu'on fait. Nous ici, on ne respecte pas ces enseignements. Normalement, le petit déjeuner, c'est à 6 heures. Le déjeuner, à midi. Le dîner, 18h ou 19h. Un dernier. Mais qu'est-ce qui va se passer? Excusez-moi, c'est un constat pas normal, je dirais même alarmant. On est obligé de donner ces exemples qu'on a recueillis sur le terrain et ce que ça a provoqué. Parce que quand vous dites que je n'ai pas le temps, non, vous laisse. Mais je n'ai pas le temps. C'est emprunter le chemin de je m'en fous. Vous avez vu le trouver souvent dans le village ici de Stade. Il n'y a pas de temps. Si nous on s'amuse, puisqu'on n'est pas regardant sur notre santé, et puis un diabète vient nous faucher, on aura assez de temps. On ne pourra rien faire. C'est ça. Il n'y a pas de temps. Parce qu'on mange à 22h, c'est là qu'on va manger. Au moment où l'organisme est fatigué, épuisé, la seule chose dont l'organisme a besoin en ce moment à 22h, c'est ce que vous mangez. C'est nous qui prenons avec la main, on met dans la bouche. Moi, remplir l'abdomen, on va remplir. Et je vous assure, l'organisme ne va pas être utilisé. Ça ne va pas réussir. Il ne va pas travailler avec. C'est pour cela. Si vous remarquez, ceux qui mangent très tard la nuit, très tôt le matin, on a faim. C'est bizarre. Très tôt le matin, on a faim. Je me suis rendu le matin à 1h, 2h. C'est comme cela. Et de vous êtes.
dans la compréhension, la santé là, l'État ne peut pas tout gérer. Il faut qu'on aide. Et plus l'État même, c'est qui? C'est nous, c'est vous, c'est tout le monde. Il faut qu'on commence par faire attention. Et c'est maintenant. On va commencer le mois de Ramadan, premier jour, deuxième jour. Que Deus é o que eu quero para a sua presença.